Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la playroom sur l'épisode de Robocraft, chers amis. Donc, je vous avais promis dans le précédent épisode que j'allais améliorer ce vaisseau. J'ai déjà quelques petites idées sympathiques, hein. Enfin, idées sympathiques. Ça va pas changer énormément le principe, mais ça va changer le vaisseau en lui-même. Vous allez le voir par vous-même. Hop. Déjà ça. Ici, on va reculer un petit peu tout ça. Hop. Ça ne passe plus. C'est dommage. Et si je les place comme ça, que j'enlève ça. En fait, l'objectif, chers amis, je vais le dire tout de suite, je vais le faire tout de suite, comme ça, ce sera fait. Ce sera d'y placer cette DCA. Donc, je vais enlever les différentes SMG que j'avais pu mettre dessus. Hop, voilà. Et je vais essayer d'y placer la DCA maintenant, comme ça, ce sera fait. Pourquoi il veut pas? À cause du canon qui est devant. Là, à cause des trucs sur les côtés. C'est pas grave, on va les replacer ensuite, c'est pas grave, vous inquiétez pas. On va le placer en deux, s'il vous plaît, merci. Au niveau de ces trucs-là que j'avais mis, ils sont où? Je crois que c'était ceux-là, non? Je sais plus. C'est peut-être plutôt ceux-là. Mais d'accord, je ne peux plus du tout les placer. C'était comme ça. Non, c'était pas ceux-là. Si? Si, il me semble pourtant. Ça devait pas être ceux-là. Ça devait plutôt être ceux-là. Effectivement, je ne peux plus les placer. Je vérifie quand même une dernière fois. Voilà, il ne les accepte plus. Vraiment dommage. Bon, ce qui veut dire qu'on peut re-remplir notre vaisseau tel qu'il l'était avant. Ok. Ce qui veut dire que ceux-là... Pourquoi il y a ce truc-là ici? C'est un problème. Hop. D'ailleurs, faudra que je les repeigne en orange. Ce qui fera très citrouille, vous allez voir, hein, à mon avis. Ok. Hop. Et hop. Voilà. Alors, je pourrais peut-être aussi remettre un petit peu de noir, par principe. Alors, il y a un truc qui m'ennuie, c'est ici. Hop, voilà. Je vais peut-être remettre un petit peu de noir, je disais donc. À peu près ici. Hop. Donc on va remettre le canon vite fait. On puisse avoir les bonnes, entre guillemets, mensurations. Et pour ce canon, on va le mettre toujours en orange. Hein. Quoique, en noir ou en orange? En orange. Clairement en orange. Ok. Voilà. Comment je vais m'y prendre? Ah, mais non. Pousse-toi. Hop. Ok. On va dire que c'est pas trop mal. On va dire que c'est pas trop mal. De ce côté-là. Je voudrais peut-être avoir racheté des pièces, en fait, chers amis, tout simplement. Hein, mais je pense que ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué. Alors. Essayons d'être ingénieux.
Voilà. Parfait. Donc là, il ne veut pas. Si je les mets droit, il ne veut pas non plus. Si j'en mets des petits, il ne veut pas non plus. Si je fais ça, il ne voudra pas. Oh, mais si, tout simplement. Tout simplement, je crois que ça va passer si je fais ça. Non, il veut pas. Dommage. Ok. Ça revient quasiment au même. Et là, ah, ça passe pas non plus. Haha. Et si on reprenait ce qu'on avait fait à l'avant pour les SMG? C'est-à-dire... Hop. Crac. Ça prend pas ici. Hop. Je vous avais dit que j'aimais pas ce principe-là, mais écoutez, si ça rend mon vaisseau viable, tout ça lui donne un petit côté tentaculaire qui n'est pas moche. Je dois reconnaître que pour une... Enfin, le fait que ce soit pas juste des trucs bien droits, bien machin, ma bidule, je trouve que ça... Ça y fait gagner un petit peu. Bon, c'est mon avis, hein. Alors, essayons de remettre les... Hop, les snipes. Ouais, c'est pas ce qui me semblait. Je m'en doutais un petit peu que c'était un petit peu trop proche, là. Ah mince, c'est pas ce que je voulais supprimer. Hop. C'est pas vraiment ce que je voulais supprimer au centre là. Hop. En deux s'il vous plaît. Ok, en un. Hop. Ah là il veut pas. Trop proche. J'accepte le défi. Ah, ça peut être sympa, ça. Et là, on en revient toujours au même parce que j'ai pas bougé au final. Je suis revenu au même endroit. Et si on rend la chose un petit peu esthétique, hein, on va voir ce qu'on peut y faire. Hop. Ok, ça c'est parfait. Et là, est-ce que je peux les placer? Oui, c'est bon. Et donc celui-là, il est à 1354. 1354, ce qui me fait largement moins de 200, ce qui est malheureusement un problème. Alors j'aimerais essayer quelque chose. Faudra essayer. Alors oui, non, on va essayer tout de suite. J'enlève ça. Est-ce qu'il se déplace en volant? Est-ce que je peux supprimer? Est-ce que je dois supprimer? Si j'enlève le méga, est-ce que je dois supprimer le reste? Est-ce que c'est le mouvement est inefficace ou pas? Le mouvement n'est pas complètement inefficace. Et au contraire, il sera peut-être même plus intéressant parce qu'on volera beaucoup moins haut, ce qui nous évitera tout retournement. Si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, du coup, on garde notre mobilité. Et est-ce qu'on garde une accélération potable? On déplace plus ou moins à la même vitesse. Donc non, c'est inopérant. C'est inopérant. C'est dommage. Je voulais voir en fait si je pouvais garder, au passage, suffisamment de flops pour mettre un bouclier devant. Attendez, réfléchissons. Je remets le mouvement. Je remets le TX. Parfait. Si j'enlève ça. Le
322, donc non, j'ai pas les 200 requis. Je peux les remettre. Bah écoutez, tant pis, on fera 100 boucliers. Ah, il veut plus les mettre. Là, autre chose. Ah non, c'était ceux-là que j'avais mis, oui. Ouais, c'était ceux-là. Ceci explique cela. On la fera plus jamais, celle-là, chers amis. Alors, regardez s'il n'y a pas autre chose à améliorer. Hein. Par exemple, je peux pas rajouter des petits là, je peux rajouter des minuscules. Hop. Pour voir si ça peut booster un petit peu notre énergie, on verra bien. Notre mouvement de... Hop. Oula, j'ai placé un truc quelque part. Vous l'avez tous entendu. Mais alors de là à savoir où... Bon bah tant pis. J'ai placé un truc quelque part, mais alors de là à savoir où, c'est pas grave. Bon bah écoutez, hop, moi je dis que maintenant qu'on l'a amélioré, on va aller l'essayer. Toujours en Battle Arena, histoire qu'on ait une longue expérience sur ce robot, entre guillemets, pour ce qui est de l'essai. Qu'on ait un véritable essai. Bah, toi, je vois Space 19999 qui dit « J'ai l'impression que les games sont plus longues avec la mage. » Trois petits points. Bah écoute, si ça te fait chier, moi je suis désolé, moi je suis là pour prendre mon pied. Hein. Je suis pas là pour faire du farm de crédit, farm. Hein. Honnêtement, je préfère que les parties soient longues et intenses, avec des retournements de situation. Parce que souvent, ils sont en ma faveur. Soyons honnêtes, hein. On a un vaisseau rose dans l'équipe. Ce n'est pas grave. Je suis content de voir en tout cas que malgré le poids, ça monte toujours. What? C'était quoi? Ah, il a blink. Oh, la portée. Par contre, les snipers, on a toujours pas la capacité de voir plus loin. Je vois spotted. Est-ce que ça veut dire que c'est moi qui est spotted ou... Putain, mais je vois aucun ennemi. Ça y est, là je... Pas autre chose. Monsieur se retourne, pour le plaisir. Putain, mais je suis censé avoir un sniper, les mecs, quoi. Putain! Je suis mauvais aussi. Hop, les deux. Hop. Par contre, si ça peut toucher quand je tire. Ah zut, je suis désolé, j'ai l'interface de Uplay qui est restée en fonctionnement. Par contre, j'aimerais bien que ça touche quand je tire. Merci. Hop, pourquoi pas. Est-ce que je peux tirer s'il vous plaît? Merci. Ok. Ok.
du cul. Où sont mes amis en fait? Ah bah il y a Michel Loulou dans l'équipe. Bon bah apparemment c'est un grand moment de suite que j'ai ressenti hein. Hop. Voilà. Alors là, la DCR a bien été nerf hein. Parce que quand je vois qu'elle est censée être spécialisée normalement. Excusez-moi, ça me fait à moitié rire. Ou alors ou alors c'est le snipe du pauvre peut-être. Si on peut dire ça comme ça. Du unskilled on va dire. Ah j'ai plus de tir. Ok peut-être. Je sais pas. Oh. Voilà, là ça touche. C'est bête. Ok. Par contre bon, ça sert à quelque chose de spotter les ennemis ou plus du tout? Je les vois plus du tout spotter moi. Oh quel dommage. Voilà, retourne à ta place. Bah alors ça tire plus? Alors. Oh raté, dommage. Qu'est-ce que c'est qui tire dessus? D'accord, c'est le mec au-dessus. Wouah, ça m'aura fait mal, bien joué. Bien joué, bien joué. C'était un petit peu trop spécialisé alors dans ce cas-là. Là... Ça par contre, c'est vraiment de l'anti-aérien classique. Bien joué, c'est un beau vaisseau. Enfin, c'est un vaisseau qui doit être efficace, vraiment. Je présume. Ok. Bug du vaisseau pour une raison inconnue. Quoi? Ok. 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 Ok, ça se passe moyennement bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop mauvais, mais ils sont supérieurs. Et par supérieur, j'entends meilleur. Aïe. Bien meilleur même. Ouais, il a réussi à toucher ma truc. Bon bah bien joué. Touché. Bon c'est bon. Alors ils sont bien meilleurs, mais je sais pas ce que fait mon équipe. Honnêtement, je sais pas ce que fait mon équipe. J'en vois que deux ou trois, je sais pas du tout ce qu'ils font. Y'a personne qui prend les points par contre, ça c'est clair et net. Et techniquement, c'est pas censé être à moi de le faire hein, en tant que sniper. Je devrais les couvrir, techniquement, c'est vrai. Je reconnais. Mais bon. Ok. Il tremblote, hein, c'est vraiment. Ok.
fuit. Alors, qu'est-ce qui tire? Pourquoi ça tire pas là? Pourquoi ça tremble? Oh! Voilà, je l'ai eu. Mais on m'a eu. Mais je l'ai eu. Rien à foutre. Est-ce que quelqu'un compte prendre un point? Ça y est. Il y a une réaction. Parfait. D'accord, donc le vol n'est plus fonctionnel. N'est plus du tout fonctionnel. Donc faut que je revoie entièrement ce véhicule. Faut que je revoie ce véhicule entièrement. Hop. Par contre, j'aimerais bien. Oh. J'aimerais bien que quand touche un ennemi, ça lui fasse des dégâts. Je suis quand même niveau 10 et j'ai pas l'impression de faire plus de dégâts que ça avec un snipe. C'est d'une violence. Alors, est-ce qu'il y a une quelconque envie de prendre un point? Ah, il y a TX Raptor qui a tenté une approche. Il y en a plein qui tentent une approche d'ailleurs. Ok. Mais il me saoule à me focus lui. Pourquoi je peux plus tirer? Pourquoi par moment je peux plus tirer? Hop, voilà. Oh, ce petit lag. Par contre, j'aimerais bien que quand je te touche, te touche. Quoi? Ok. Ok. Oh. Mais putain. Ça y est. Et par contre, il y a quelqu'un qui compte prendre un point, oui, voilà, ça y est. Ok. Ok. Ah non, pas maintenant. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà.
plutonium reactor is under attack. Par contre, j'aimerais bien que ça tire là où je vise. J'imagine que je me suis pris des dégâts par le haut. Ah, bien joué. Bien joué. Là, je reconnais. Bon, le système de déplacement par... comment que ça s'appelle, par over, c'est pas la peine. Je ne l'utilise pas, vous voyez, je l'utilise pas. Donc j'aurai plus tard un bouclier, je pense. Voir un blink. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. On verra le moment venu. En tout cas, faudrait éviter de se faire wipe. Ça serait bien qu'il récupère le point là-bas plutôt que de se faire du kill. Du kill, du kill, du kill, du kill, c'est bien le kill. Mais bon, là, il nous faudrait un petit peu plus de points. Allez! Ah, il y va. Il y va. Mais non! Non, c'est pas le machin qu'il faut buter! Putain, c'est pas le machin qu'il faut buter! Faut continuer à avancer, mon pote, là! Et tire! Et bien! Hop, par contre, on se fait défoncer, là. Est-ce que ça peut arrêter de trembler, s'il te plaît? Et non! C'est bête, hein. Oh. Voilà, merci de bien vouloir mourir. Merde. Alors, aïe. Allez, touche. Putain, mais touche. Mais comment il peut être aussi solide? Comment il peut être aussi solide, putain? Qu'on m'explique. Il a que deux jambes. Regardez ça. Il a que deux jambes et il est hyper solide. Ou alors il a des jambes TX. Putain, ce serait tout simplement ça. Oh la gueule, si c'est ça, j'ai la haine. Si c'est ses jambes en fait qui le rendent super balèze, bah c'est ça en fait, c'est pas, ça peut être que ça. C'est pour ça qu'il a rien d'autre en fait. C'est pour ça qu'il a rien d'autre. Mais couvrez le point. Ouais, bah c'est pas là. C'est pas la peine, on a personne d'assez aventureux pour aller jusqu'au leurre. Ouais, c'est fini. Je pense que c'est fini là. On va se bouffer un rush et ce sera fini. Je pense que ce sera fini dans quelques secondes. Même pas? Ah, si. Je me disais aussi. Ok. Eh oh! J'aurais bien touché ce que je vise! What the fuck? Alors, c'est débile d'avoir nerf cette arme. Je précise, parce que c'est censé être une anti-air, et au final, il faut une chier de tir. Hop. Voilà. Ça
Merde, je l'ai pas vu lui. Et l'autre il se couvre derrière moi. On l'a tous vu. Par contre j'ai pas vu un seul heal. C'est bizarre ça. Oui je pense qu'il a raison mais bon je vais la jouer jusqu'au bout. Je vais la jouer jusqu'au bout. Oh putain ça me saoule ça. Ça me saoule. Honnêtement ça me saoule. Que ce soit le mec niveau 14 crazy fico qui se barre là. Honnêtement ça me saoule. Non! C'est bête, hein, c'est vraiment bête. Allez! Oh, de toute façon. Ok, c'est la fête! Il y avait une attraction comme ça où c'était une espèce de. Ah, bah, de toute façon. Ah, mais faut pas chercher maintenant. Comment je fais pour tirer au-dessus de moi? Hop voilà. Bon c'est pas grave. Comment ils ont fait pour récupérer autant de tours? Non mais c'est mort, hein. Cherchez pas les mecs, c'est mort. Vous êtes courageux hein, mais c'est mort. Non. Allez! Regardez ça! C'est censé être une DCA et lui c'est un pauvre avion! Bon, je vais mourir, hein, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Donc ce vaisseau est à refaire. Ce vaisseau est à refaire. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Sûrement doute un sniper, mais alors. Quoi faire comme sniper? Telle est la question. Telle est la question. Je vois quelqu'un m'a parlé en. Bizarre. Alors. C'est fini, ça y est. Je vais les laisser péter le truc. De toute façon avec le TX qui arrive là sur la droite c'est bon. Ok. Allez laissez-les. Il va avoir le kill. Oh la vache, le tir. Je vais pas dire chanceux, mais presque. Ah bah, la façon dont ils passent derrière, c'est gagné pour eux. Mais putain, mais pétez-le, bordel! Mais allez, mais vise mieux que ça! Ça parle mal. Non! Ah, dommage. J'ai voulu venir pour essayer de l'en empêcher, j'étais con, j'aurais dû peut-être. C'est pour ça que ça fait longtemps que j'étais en train de regarder et je suis trop con. Bah c'est pas grave, ça aurait été drôle. Bon, c'est pas une victoire, mais j'espère qu'on aura fait au moins 200 000 ou 300 000 crédits. Enfin RP, pardon. Verdict. Un petit 200 000, 250 000, 300 000, voilà. Bon bah écoutez, hop. Pourquoi pas. Bon. Bah écoutez, c'est comme ça les amis, hein. On va pas s'embêter avec ça. Eh bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, notre affaire dans la mer de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à nouveau. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.